Oh là là, rentrer du travail et trouver le colis de chez Horizon Créatif qui nous attend. Eh ben, ça fait plaisir, ça, non? Ouais. Allez, on se retrouve tout de suite pour le hall. Alors, je sais, ce colis. Vous vous demandez, mais mon Dieu, elle a commandé la boutique. Non, non, je vous rassure, je n'ai pas commandé la boutique. Je pense que Ninon a dû avoir peur que mon colis reste bloqué comme elle a la dernière fois dans la boîte à lettres. Du coup, elle a dû viser grand, grand, grand. Allez, vous inquiétez, tout ne rentre pas dans la caméra, donc je vais pousser le carton et je vais vous montrer au fur et à mesure. Alors. Hop. Du coup, nous avons plein de bulles. Vous voyez, il n'y a pas tant que ça. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bulles. Allez, je pousse toutes les bulles. Il y a aussi du papier. Comme quoi, Ninon a comblé. Hein. Moi, je vous le dis. Alors. Par quoi on va commencer? Par du cardstock. Donc, j'ai pris cette couleur-ci qui me plaît. Elle est vraiment très, très jolie. Donc, au niveau de la couleur, c'est la couleur Kiss. Donc, hop là, voilà. Ensuite, j'ai pris du jaune. Là, elle est vraiment jaune pétant. Hein. Donc, la couleur, là, c'est Lemon Yellow. Et, bien sûr, c'est pour aller avec ce papier-ci. Donc, j'ai pris deux blocs 30-30. Donc, c'est la collection Warm Breezy. Breeze. Ouais, vous savez, moi et mon anglais. Vous voyez, c'est pour aller avec. Et franchement, j'aurais pu prendre du mint, mais non, je voulais vraiment que ça ressorte. Et ça va être un album vraiment très, très flashy, mais que des belles. Ensuite, j'ai pris deux 20-20. Donc, pareil, de la même collection, c'est pour aller avec. J'ai pris, hop là, un 15-15. J'ai flashé sur cette collection, hein. C'est très très estival et tout. J'ai hâte de la scraper aussi. Comme plein. Et j'ai pris aussi, donc ça ce sont des cartes à découper. Donc voilà. Donc c'est la première fois que je vois ça chez Craft O'Clock. D'ailleurs, on va ouvrir le 20-20 que vous puissiez voir un petit peu quand même le papier. J'avais oublié de vous montrer. Hop là. Allez, Maric. Non, il veut pas. Il a décidé qu'il ne voulait pas aujourd'hui. Hop là. Donc. Ah, là, ils sont collés. Alors, vous avez. Oh, regardez. C'est vraiment. Donc, le 20-20, vous le savez, c'est par 3. Franchement, ils sont juste trop beaux. Celui-ci avec les fleurs comme ça, j'ai adoré. Je sais déjà ce que je peux en faire. Ouais, je sais. Regardez même celui-ci. Ah, j'aurais dû prendre le Shipbird Mojito de Ninon. Donc, le 20-20, on va l'ouvrir aussi pour que vous puissiez voir. De toute façon, après, je rangerai le tout dans les pochettes 30-30 transparentes que j'achète chez Ninon. Donc là, vous avez ceci à découper. J'aime vraiment beaucoup. Et ce qui est bien avec Craft O'Clock, c'est qu'ils vous mettent ici les couleurs que vous pouvez utiliser pour aller avec. Donc à la rigueur, l'iguana, oui, vous m'entendez souvent parler de cette couleur-ci, elle ressemble plutôt pas mal, elle pourrait aller avec. Cette page-ci, franchement, je crois que c'est ma préférée. Même si celle-ci, hein. Petit coup de frais, surtout avec là, la canicule qu'on a aujourd'hui. Moi, je vous le dis, qu'on a aujourd'hui. Non, pas qu'aujourd'hui. J'adore. Un très, très beau papier. On va regarder ensemble ce à découper. Hop là. Il s'ouvre de ce côté-ci. Ok.
profiter, c'est pour faire des pochettes directement. Franchement, je kiffe. Franchement, j'adore. Et bien, j'espère qu'ils vont faire plus souvent dans leur collection, parce que franchement, j'adore le principe. Même là. Bon, ceux-là, je m'en servirai peut-être pas, mais j'aime beaucoup le derrière. Ouais, franchement, là, j'adore. Craft O'Clock est une, vous avez dû remarquer, c'est une collection de papier que j'aime de plus en plus. Ils font vraiment d'excellents papiers. À la rigueur, je pense que ça se trouve, j'aurais même pas besoin de cela parce que ça peut très bien faire un papier de fond en fait. Donc, voilà. Mais ouais, ils sont pas excessifs et ils sont vraiment très très jolis. Ensuite, j'ai repris du papier couleur mousse, tout simplement parce que je suis en train de faire, je l'avais acheté pour un album spécifique et je suis en train de qu'on le fait, j'ai utilisé aussi pour je sais plus comment il s'appelle, le Ciao Bella. Comment c'est le nom? Je sais plus. Le Summer. Je sais plus c'est quoi le nom. Ensuite, j'ai la petite serviette et j'ai commandé, hop là, les deux boîtes comme ceci pour ranger les Distress Ink. Donc j'en ai commandé deux, hop là. Il m'en faudra une autre par la suite, puisque avec deux je n'aurai pas assez, il m'en faudra au moins une troisième. Donc voilà, on va l'ouvrir ensemble. Elles ont fait fureur sur la boutique de Ninon. Je sais pas s'il en reste encore beaucoup. Mais voilà. C'est un peu plus de 10€ la boîte, je crois, 10,90€. Donc je recommanderai d'autres par la suite. Donc voilà, ici on en met de 15. Donc voilà, donc là je peux en mettre 30. Et je crois que je vais en avoir 36 ou 37. Donc, boum. Donc voilà. Ça, c'est les petites boîtes. Ensuite, nous avons la petite carte de Ninon, le petit tag avec des petits shipbirds. Donc voilà, je kiffe. Il est juste trop, trop beau, la girafe. Et ensuite, ici. Alors, il y en a d'autres qui seront à venir. Je ne les ai pas encore commandés, mais je les adore tous. Hein. Là, ce sont les flippettes de créées par Ninon. Donc voilà. À embosser, moi je vous dis. Ouais. Juste génial. Donc voilà, c'était une petite commande, hein, je vous ai dit. Hein. Un gros carton, mais il n'y avait pas tant que ça en fait dedans, tout qu'on fait. Donc moi je vais aller ranger ça, hop là, pour vous montrer un petit peu. J'en ai une ici, hop là. Donc voilà, on les range et hop là. Je viendrai mettre les couleurs ici. Et puis voilà, je vais pouvoir ranger. Ça va me prendre beaucoup, beaucoup moins de place que ce que j'ai là maintenant. Ça va être beaucoup mieux. Surtout qu'elle n'était pas top top. Donc voilà. Et au moins quand je veux partir, eh bien, j'aurai juste à prendre une boîte et puis c'est tout. Donc voilà. Allez, sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous. Si jamais tu veux t'abonner, c'est ici. Si jamais tu veux voir mon haul précédent de la boutique de chez Ninon, c'est en haut. Et si jamais tu veux voir le vlog d'hier, c'est en bas. Sur ce, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.